Nom, Chai. Prénom, Norine. Née le 16 juillet 1969 à Phnom Penh. Profession, vétérinaire. Naturaliste et amoureux de la terre. Norine Chai est français. Il dirige les services vétérinaires du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Mais le monde est son bloc opératoire. Alors, vétérinaire, c'est voyager. C'est partager. Apprendre d'autres choses. Et aussi, voyager, c'est appréhender mieux ces maladies, ces pathologies qui ont un seul point commun, qui est la souffrance. Mais ça, c'est mon côté bouddhiste. Si, si, c'est moi, là. C'est ma sœur. Là, on me voit avec mon frère. Et là, je suis avec mes parents. Bon, on y va, mais attention. Âme sensible, s'abstenir, parce que dans la vraie vie, les animaux souffrent et meurent aussi. Yabumba, non sans plus. Vétérinaire, c'est soigner la beauté du monde. Bon, c'est parti! Pour se rendre au Sondela Wildlife Center, un centre de secours aux animaux blessés qui a demandé son aide, Norine Chai doit traverser la réserve du Karangwe. Nous sommes en Afrique du Sud, non loin du fleuve Limpopo et du parc national Kruger. Les rhinos blancs, en fait, ils sont souvent devant la mer parce qu'ils sont sur un espace ouvert. Donc, du coup, la mer peut les suivre. À l'inverse, les rhinos noirs, eux, c'est la mer qui ouvre le chemin et c'est le bébé rhino noir qui la suit. On pourrait se faire un parallèle avec nous, dans le sens où est-ce qu'on a été un bébé rhino blanc ou alors est-ce qu'on était un bébé rhino noir? Ça, c'est la question qu'on peut se poser lorsqu'on voit ça. Et quand j'étais un peu tête brûlée, j'allais plutôt du côté rhino blanc. Je savais que j'avais ma mère derrière, mais je courais à perte de vue, je tombais, je me relevais. Des fois, on a des doutes, alors on se recache derrière sa maman et puis on attend que le doute passe. Une fois que le doute est passé, on repart. On repart en rhino blanc et on avance. They are just beautiful. Les rhinocéros qu'observe Norine Chai sont des survivants. 400 de leurs congénères ont été tués cette année-là en Afrique du Sud par les braconniers, soit plus d'un par jour. Le destin de l'espèce n'a jamais été aussi compromis. Les rhinocéros blancs et noirs ont en commun leur destin tragique et leur couleur. Les uns et les autres sont gris. C'est leur bouche qui les différencie. Large et horizontale, celle des rhinocéros blancs leur permet de brouter l'herbe. Celle verticale des rhinocéros noirs cueille plus facilement les feuilles des buissons. Une erreur d'interprétation fit confondre la sonorité du mot hollandais signifiant « large » avec celle de « white », « blanc » en anglais. Norine Chai est enfin arrivée au Sondela Wildlife Center. Donc là, vous voyez, ça, c'est un nyala. Marrant, ça. À gauche, vous avez son ulcère. Ça, c'est typiquement une pathologie traumatique suite à une bagarre ou à un éraflure. Mais ça ne semble pas le gêner. L'œil n'est pas gonflé. Donc, le process de guérison a été bien enclenché. Là, c'était juste pour le plaisir de la photo. Norine Chai anesthésie un grand-duc de Véro. Ce rapace nocturne est le troisième plus grand hibou au monde.
les organisations de préservation de la nature ont besoin de savoir à quel sexe appartiennent leurs pensionnaires. Pour certains oiseaux, la tâche est plus difficile qu'il n'y paraît. Okay, who you will be with me? So you can. So can you put this in front of me, please? And hold the animal. En l'absence de parties génitales externes, seule une exploration par endoscope permet de conclure. J'essaie de trouver les sacs aériens. Vous pouvez voir les sacs aériens, les poumons. Nous sommes à l'intérieur des poumons. L'artère, l'intestin, on voit le cœur battre, les reins, les ovaires. C'est une femelle. Vous voyez l'ovaire? C'est une femelle. C'est beau, hein? Connaître le sexe de cet oiseau permettra de lui offrir la possibilité de se reproduire en veillant à la diversité génétique de l'espèce. Alors qu'il attendait les résultats de l'examen, Zeke Van Dyck, responsable de la réserve, a dû répondre à un appel urgent. Donc là, en fait, Sig a eu un appel de détresse. C'est une hyène brune qui a été prise dans un piège, apparemment au niveau du cou. Elle est très faible et ils lui ont dit que si on ne partait pas maintenant, en fait, elle serait peut-être... plus là, une fois qu'on sera arrivé. Bon, c'est pas bien pour l'animal, mais c'est assez excitant puisque on a là en fait, il a essayé de contacter les vétos locaux qui sont pas disponibles. Et là, on tombe pile poil. On a nos anesthésies, il a un fusil. J'ai de quoi faire une petite chirurgie s'il fallait. Ok. All right. Okay. We are safe. All right, let's go. Let's go. C'est parti. C'est quand même une hyène brune. Hein. C'est pas un pied. C'est pas un chien non plus. C'est un chien sauvage. Faut pas qu'il claque non plus. De la kétamine, la méthomidine. Donc 25 kg, ça fait. J'ai tapé sur 10 mg par kilo, 250. Ça fait que 2,5. Ça fait 2,5 cc. Je vais voir, hein. Je vais taper un peu fort. Mais... Bye, donc. Nickel. Donc là, je suis dans les lombaires, c'est bon. C'est un gros bestiau, hein, donc... Donc une fois qu'il sera endormi, une fois il y aura une phase d'induction, une fois qu'on va essayer de faire le plus de calme et de silence possible. Et ensuite c'est moi qui vais l'attraper. Bon, c'est ça l'éthique en général, c'est celui qui flèche, qui prépare la dose, qui attrape. Là je crois que ça commence déjà. Là. Ça, c'est des hyènes, donc ça a une pression de 2 à 3 tonnes par centimètre carré. C'est juste énorme. Vous ne pouvez pas avoir sa main dans la gueule, quoi. Wow. Il y en a un autre, là. Il y en a still another one there. It's two. Il y en a deux. There's two. Yeah. Take the out this. Okay, now it's calm. All right, okay. Vous n'avez pas d'autres outils? Si, si, j'arrive. Ah, il est parti chercher un truc, là. Yeah.
Là, la blessure est quand même très profonde. Hein. Ce qu'on voit là, c'est que la peau a cicatrisé par-dessus. Donc, ça fait quand même pas mal de temps qu'il est dans ce piège, puisqu'il y a un début de cicatrisation, là, qu'on voit ici. Ça, il faut à peu près 6-8 heures pour avoir ce tissu cicatriciel qui recouvre les fils de fer. Donc, je pense que c'est pas ancien, mais c'est pas si récent non plus. Donc, il fallait vraiment intervenir quand même là. Je préfère prendre la tête. Si quelqu'un doit être mordu, ça doit être moi. Ça, j'aurais pas besoin de lui refaire un coup de l'anesthésie. C'est un animal quand même qui était resté longtemps sous le soleil, étranglé, donc il doit être déshydraté. Et c'est pour ça d'ailleurs, ça fait à peu près 1h30 qu'on l'a anesthésié. Et donc, normalement, il devrait être debout déjà. Donc, ce serait marrant qu'il se réveille comme ça sur la table. Mort moyen. Donc s'il n'est pas debout, c'est qu'il est affaibli quand même, physiologiquement. Ses reins ne devraient pas être au top, puisque déshydraté, donc il y a une moins bonne perfusion, irrigation. Et du coup, les ASX distribuent mal. OK, you know what? Yes, quite nice. Okay. Ne te réveille pas, s'il te plaît. Vous pouvez la tenir comme cela? Si on ne fait pas cela, la cicatrisation prendra plus de temps. Il se réveille. Il se réveille ? Juste un peu. Ça ira. Si quelqu'un a faim, je vais me dépêcher. Okay. Encore un. Normalement, la table est juste un peu plus. It's okay. I'll manage. Normalement aussi, mon assistante me fait un massage. Je plaisante. Mes deux assistantes me font un massage. La skin est soft, mec. T'as vraiment une peau de hyène, hein, mienne, en fait. Hein. C'était un peu d'humour. Nice. Qu'en pensez-vous? C'est la meilleure mine, hein? Donc là, on a presque fini. Beaucoup de bombes. C'est bon. Thanks. You're welcome. Oh, tu m'as dit que tu as du fluide? Bien. Parfait. Oh, he's breathing. Il respire plus vite, non? Mm-hmm.
On va le peser pour savoir exactement le, la quantité d'antibiotiques à administrer et la quantité d'antalgiques aussi à administrer. Ensuite, on le réveille, en espérant qu'il se réveille. En espérant vraiment qu'il se réveille. Vous le tenez ? Je le tiens. Combien ? 31. Vous voyez, j'avais dit 30. Bien, j'ai les antibiotiques. À défaut de colir, il a pris des pommades. Avoir des yeux en permanence ouverts entraîne une sécheresse cornéenne. Et ça, ça peut être à l'origine de trauma, de traumatisme cornéen, voire d'ulcère. Donc c'est important d'avoir les yeux bien humidifiés. La hyène a été libérée des collets qui l'étranglaient et massivement réhydratée. Les plaies sont suturées. On pourrait croire l'animal tiré d'affaire. Noreen Shai injecte l'antidote qui annule les effets de l'anesthésiant. Pourtant, en quelques secondes, son destin prend une tournure tragique. Le stéthoscope ne ment pas. Le cœur de la hyène s'arrête de battre. Si on n'avait pas fait ça, il serait mort. C'est pour ça que c'est hyper important de rester avec un animal. On aurait pu le perdre, là, en fait. Here come again. If you wake up. Il a failli mourir. Enfin, du moins, là, il était en train de mourir. On l'a ressuscité de justesse, simplement en fait, en balançant, en le mettant la tête par terre, parce qu'il a eu les voies respiratoires qui étaient bouchées. Lorsqu'on a les voies respiratoires bouchées, du coup, qu'est-ce que fait le cerveau ? Il se dit, tiens, il n'y a plus d'oxygène. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire l'activité cardiaque, ce que j'ai vu. Il y a eu les battements cardiaques qui ont commencé à diminuer tout doucement. C'est là où on est arrivé, on a secoué l'animal, du coup, on a rétabli, de façon miraculeuse, les voies aériennes. L'animal a respiré de nouveau, du coup, le cerveau a envoyé des signaux à dire « Ok, on peut rebattre le cœur », et c'est ce qui est arrivé là. Donc du coup, vous voyez, l'écrime brillant est devenu normal, la respiration aussi, et les réflexes sont réapparus. Là, il n'y a aucune raison de rester. Maintenant, on le laisse tranquille. Même, ça pourrait presque même le stresser encore plus. On entendra des news demain matin ou cette nuit. What next now? Fred Béranger, un amoureux des félins, a créé le Leopard Conservation Project. Il aimerait que Noreen Shai examine les léopards rescapés de conflits entre hommes et animaux que recueille son association. Mais auparavant, il a proposé aux vétérinaires un moyen insolite de mieux faire connaissance avec ce splendide prédateur. Ils vont ensemble rejoindre un autre responsable de l'association. On a un endroit excellent juste là-haut. Il y a une proie de léopard qui est là depuis 2 jours. On y a posé un appareil et on a des photos terribles.
On a trouvé une carcasse de d'impala. Donc, proie d'un léopard. On va espérer qu'il va revenir. Les puristes pourront nous dire qu'on a touché avec nos empreintes et nos odeurs le site. Il s'avère qu'en fait, il n'y aura pas d'interaction, puisque les léopards, apparemment, en Afrique du Sud, sont habitués à l'odeur humaine. Fred me disait que la très grande majorité des fameurs posent des pièges pour attraper des léopards. Et il a essayé, il a quasiment même essayé d'uriner dessus, sur les pièges. Et malgré ça, le léopard se fait quand même attraper. Donc on va croiser les doigts pour essayer de prendre un léopard avec la caméra trappe. Et je vais redescendre parce que j'ai envie de redescendre. Fred Béranger a pour objectif d'identifier et d'étudier les léopards de la région du Waterberg pour pouvoir mieux les protéger des pièges que leur tendent les fermiers ou des carcasses empoisonnées qu'ils leur abandonnent. Cependant, le léopard, animal solitaire, discret et nocturne, est difficile à observer. Cette nuit, Norine et Fred espèrent qu'un léopard viendra consommer une partie de la proie qu'il a juchée la nuit précédente à la fourche de deux branches. Une caméra à déclenchement automatique a été disposée dans l'arbre. L'aube a dissipé l'odeur des carnages nocturnes. À la branche du festin sanglant, des acrobates accrochent des cerceaux. Ce sont des tisserins masqués. Ils bâtissent leur nid. Les mâles doivent en construire plusieurs afin que chacune de leurs femelles puisse en choisir un. Au gré des saisons, l'architecte polygame doit ainsi aménager jusqu'à 25 domiciles tissés d'herbe et de paille. Une faune d'une incroyable diversité fréquente la province du Limpopo, où séjourne Norin Chai. La proximité du fleuve offre aux troupes d'éléphants, que guide la plus vieille femelle du groupe, de l'eau en abondance. En revanche, en cette saison, les géants affamés arpentent une savane de plus en plus sèche. Là, on voit en fait deux éléphants ils se battent pas en fait, ils jouent ensemble. Ils mesurent leur force. Mais lorsqu'on est face à face comme ça à l'animal, on se demande qui est le sauvage et qui est la vraie nature en fait. Parce que si je m'approche d'eux, ces éléphants vont dire « mais il est fou, ce bipède, il ne se rend pas compte du danger. » Ensuite, peut-être, je vais me faire écraser. Je vais peut-être mourir, même si j'approche trop. Et du coup, qui est la menace? Est-ce que c'est eux la menace ou c'est moi qui suis la menace? Hello. Hello. So, can I have an orange, please? Please. Yes, one orange. It's okay, thank okay. you. C'est des nouvelles de Sid. La hyène se porte très bien.
Elle s'est bien réveillée. Bon, elle titube encore un petit peu, mais c'est normal. Donc je pense qu'on pourra la relâcher bientôt. What next now? De passage à Johannesburg pour s'y approvisionner en matériel vétérinaire, Noreen Chai répond à la sollicitation d'une association de protection des animaux de Soweto. Dans l'une des zones les plus défavorisées du quartier, des marchands de charbon, des déménageurs ou des ferrailleurs emploient des chevaux pour transporter de lourdes charges. La pauvreté règne partout. Dans les années 1980, ce quartier populaire, situé au sud-ouest de la mégalopole, fut le haut lieu de la lutte contre l'apartheid. Difficile d'attendre de ces hommes qui luttent pour leur propre existence qu'ils sacrifient le bien-être de leur famille à celui de leurs chevaux. Cependant, une association s'efforce de leur enseigner comment mieux seller les chevaux, comment équilibrer les charges, comment améliorer les soins du sabot pour que le sort des animaux de trait soit moins triste. Le dirigeant de l'association, Soli Motimgo, veut sensibiliser Noreen Chai au destin de ses animaux. Il espère que le vétérinaire profitera de sa notoriété pour plaider leur cause. Il voudrait aussi que Noreen évalue leur état de santé. Avec passion, il décrit les souffrances des chevaux, le courage avec lequel ils partagent la misère des hommes et les injustices qu'ils subissent en dépit de leur dévouement. Ceci n'est pas acceptable. Nous sommes très stricts sur des choses comme celle-là. On croit qu'une fois que c'est guéri, tout va bien. Mais quand c'est comme ça, c'est guéri, mais pas complètement. Le poil devrait recouvrir la cicatrice. Il faut que le poil ait le temps de repousser par-dessus. Nous vérifions aussi les fers. Okay, boy. Je suis surpris de voir que les pieds et les sabots sont en bon état. Il n'y a aucune inflammation. C'est très surprenant. La vie s'adapte à tout. Les chevaux de Soweto ont développé une résistance inattendue aux traumatismes qu'ils subissent tout au long de la journée. Alors ici, nous sommes à Zola. 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 Typiquement, l'ambiance Zola au milieu de Soweto. Mais lorsqu'on voit les chevaux, on ne peut pas s'empêcher de voir un certain mal-être, une certaine maltraitance des animaux. Moi aussi, ça m'a choqué de voir des animaux dans cet état, effectivement. Là, ce que je vois autour de moi, c'est des gens qui ne vivent pas, ils survivent. Et je pense que si on ne vit pas avec eux, si on ne survit pas avec eux, on ne peut pas comprendre pourquoi ils agissent comme ça. Nous, on voit un animal comme un animal qui souffre. Eux, ils ne voient les animaux que comme un moyen de transport et de travail. Il n'y a pas de pierre à jeter sur le fait de voir un animal comme un outil de travail parce qu'ils ont besoin de survivre. C'est très important de concevoir cette vision des choses. Ok, ma femme. Chop, chop. Voilà, je quitte Soweto. Donc, c'est pas du tout ce qu'on pense. C'est une ville qui est en plein mouvement. Même les animaux qu'on a vus, finalement, ils sont restés en bonne santé. Il y a 10-20 ans que ça change. Et donc, c'est très bien, c'est une note très positive. Voilà. What next now? Bonjour, on a un léopard à l'arrière. Ces
C'est au centre d'intervention sur les espèces en danger de Hotspruit que sont traités les léopards recueillis par Fred Béranger. Il s'agit principalement d'animaux piégés ou blessés par des fermiers ou des éleveurs et qui arrivent au centre bouleversés par l'angoisse. J'ai un rendez-vous avec Peter Roger. Bonjour Peter. S'il vous plaît, parlez-moi de notre patient. Il s'est fait capturer dans un piège. Souvent, dans ces cages, ils s'abîment les dents, les canines. Il faut que je tienne un coup d'œil là-dessus et aussi faire une vérification générale pendant qu'il est endormi. Qu'avons-nous pour l'endormir? Il y a deux possibilités, soit la méthylamidine, soit la kétamine. Et ensuite, on pourra le réveiller. Set the stopwatch going. Pour mieux tranquilliser l'animal et pour éviter à ses yeux la morsure de la lumière, on lui couvre la tête d'un morceau de tissu. L'examen peut commencer. Pas de souffle cardiaque. Pas de souffle. Noreen Shai fait l'inventaire des moindres plaies ou ulcérations sur le corps de l'animal. Il recherche les mycoses, les infestations parasitaires, les abcès. Incroyable, ça sert à quoi? C'est une caméra infrarouge qui détecte les inflammations superficielles. C'est intéressant. Ça, c'est son trou de balle. Apparemment, les lésions sont essentiellement superficielles. Donc, vous avez vu, c'est des lésions qui sont quand même donc multiples, mais superficielles. Ce qu'on voit souvent sur les spécimens sauvages, c'est des lésions au niveau des dents, puisque forcément, comme ils sont piégés, ils essaient de sortir. Donc, ils présentent un traumatisme souvent au niveau des dents. Là, ce n'est pas le cas. Fred est en train de mesurer toutes les parties anatomiques de ces léopards pour ces données. Puisqu'ils font un projet de conservation des léopards, donc du coup, ils ont une bonne donnée de tous les spécimens qu'ils attrapent. On va le retourner pour regarder le ventre. Voilà. Bon, là, ce que je fais, c'est j'ausculte les poumons. Ça permet de diagnostiquer un éventuel pneumopéritoine. Les pneumopéritoines arrivent souvent sur des animaux qui sont stressés, donc un traumatisme violent. Et dans ce cas, s'il y a eu un pneumopéritoine, on aurait une hyper-résonance, des tapotements, ce qui n'est pas le cas. Donc là, c'est l'animal hyper. La peau est étonnamment belle. Donc ça, c'était une puce électronique. OK. Working. Ça marche. Il a mangé de l'éléphant. Oh, really? Yeah. Elephant.
Il est rare qu'un léopard s'attaque à des éléphants. Le patient de Norin Chai a sans doute profité d'une aubaine, un assaut mené par des lions. Vous voyez le mouvement de la pupille ? C'est un si bel animal. Donc là, on déconne, mais... Enfin, pardon. Là, on rigole, mais en fait, le protocole est fait de méthomidine et kétamine. On a l'air d'être plus ou moins cool, mais... Enfin, moi, personnellement, je surveille vraiment, vraiment l'animal, puisque c'est un animal sauvage. La méthomidine, en fait, c'est une drogue, un principe actif, qui est aussi dépendant du taux de stress et du taux d'adrénaline de l'animal. Si l'animal est stressé ou excité, le principe actif va... pas trop bien agir, donc du coup il peut se réveiller comme ça là, assez vite. Mais bon, on a la kétamine qui gère, et puis surtout on a l'enclos qui est juste à côté. Donc là, Peter a mis l'antidote. On attend le réveil. Il a mis, d'ailleurs, il commence à se réveiller tout doucement. Son avenir maintenant, Peter et Fred vont essayer de trouver un territoire adéquat. Adéquat veut dire essayer d'éviter tout interaction avec d'autres spécimens, donc d'autres léopards, justement, qui sont de territoire. Et... qu'il n'y ait pas d'interaction aussi avec les farmers, les éleveurs et puis les agriculteurs. Donc ils ne savent pas encore quand il va pouvoir être relâché, mais au niveau clinique, au niveau sanitaire, il est tout à fait relâchable. Là, il se réveille. Hein. Ok, what next now? Norin Chai prend la route de Sandela pour y retrouver la hyène qu'il a traitée quelques jours auparavant. En chemin, un groupe de girafes interrompt sa progression. Dans certains pays comme au Niger ou au Tchad, certains braconnent des girafes juste pour avoir la queue. Donc des fois, on peut trouver des carcasses de girafes entières sans aucune utilisation que le prélèvement de la queue. C'est une marque d'autorité pour certains chefs locaux. Sous le regard de congénères désœuvrés, de jeunes mâles testent leur force. Le combat rituel ressemble à une danse. Donc là, on est à un moment exceptionnel. Moi, pour ma part, je n'ai jamais été aussi proche d'un repas de lion. On est vraiment là, dans une savane arborée sauvage, avec des lions sauvages. C'est juste très, très, très impressionnant. Donc, faut pas trop bouger. Le Rangers me disait qu'ils peuvent attaquer à tout moment. Donc, respecter leur repas et respecter ses distances, mais on est quand même très, très, très proche. Oula, là, le mâle me regarde. C'est quand même assez singulier
de voir des lions manger une girafe, parce que c'est quand même assez rare, surtout une girafe adulte. C'est peut-être une girafe en mauvaise santé, donc malade ou blessée, et du coup, une proie facile pour des prédateurs comme les hyènes ou les lions. Alors là, ils ont à manger pour 2 jours. Les mâles achèvent leur repas. Bien que les proies soient tuées par les lionnes, ils exigent la préséance. Ils ont droit au premier service. Les autres animaux du groupe ne peuvent passer qu'ensuite. Les femelles se serviront avant les petits, qui attendent leur tour pour lécher le sang de la girafe et se familiariser avec le goût de sa chair. Une carcasse de cette taille nourrira de nombreux convives. Après les lions viendront les nettoyeurs de la savane, les chacals, puis les hyènes, puis les marabouts et les vautours. Insectes, larves et vers se partageront les dernières miettes. Après leur passage, il ne restera que quelques os et un peu de cuir. Le plus intrépide et le plus agressif des chacals est le chacal à chabraque. Ainsi nommé parce qu'il semble porter sur le dos une couverture noire semblable à celle, la chabraque, que les officiers de l'époque napoléonienne plaçaient sous la selle de leur cheval. Monogame et territorial, le chacal à chabraque chasse ou dévore les charognes en compagnie de sa femelle. Une proie aussi énorme a attiré un autre couple dont la présence sera tolérée. Je suis sur la route de Sandela. Je vais revoir la hyène. Sig me dit qu'elle va bien. J'espère que ses plaies sont bien cicatrisées. En tout cas, j'ai hâte de la revoir. Bon, c'est vrai que c'est pas top cet enclos, mais bon, ça va bien. J'ai pas très bien vu les plaies, mais on va mieux voir après. Ouais. Merci. Il est déjà chargé ? Il est chargé, à 2 bars. C'est bon, c'est fléché, c'est dans la cuisse. Donc j'espère que la flèche est bien injectée. C'est qu'à 1000 timing, donc on va attendre une 10-15 minutes maximum. 10 minutes. C'est toujours un stress quand on tire sur un animal parce qu'on n'est jamais sûr de la dose et puis on a
animal qui est juste un peu rescapé, convalescent, donc c'est toujours assez stressant en fait. Bon, j'ai l'air cool comme ça, mais c'est quand même assez stressant. Combien de minutes? 7 minutes. Sick, je vais la sortir maintenant. Il y a un peu de sang, je pense que c'est peut-être ce matin. Sinon c'est très propre. C'est super propre, c'est super bien cicatrisé. Ok. On va mettre des antibiotiques, les derniers. Et tout va bien, c'est parfait. Excepté ça, mais c'est pas grave. Bon, là, il y a un peu de croûte, mais ça, c'est normal. Avant de la relâcher, Noreen veut vérifier si la hyène est mâle ou femelle. Alors, les hyènes brunes, c'est pas comme les hyènes tachetées. Hein. C'est beaucoup plus facile. Et donc là, c'est les glandes. Donc c'est bien une femelle. Donc c'est un antibiotique à action longue. Ça va le protéger, enfin ça va la protéger pendant 5-6 jours. Donc là il y avait un super œdème qui s'est bien résorbé. Ok. Oups. On va fixer le collier émetteur. On a le temps, ne t'en fais pas. Qu'en penses-tu? Ça va comme ça? Tu as le temps. Je te promets. Je te garantis 5 minutes. Donc on fait le collier assez large hein, pour éviter qu'elle s'étrangle, bien sûr. Et surtout, trouver un compromis entre une solidité et éviter qu'elle s'enlève toute seule. Comme ça. Ok. C'est bon là, elle est réveillée, elle a la tête qui... elle a la tête, donc c'est parfait. Donc maintenant, il faut qu'on se dépêche. La revoir comme ça en liberté, la revoir galoper vers une nouvelle vie, c'est juste magique. Ça se passera très bien. Ça s'est très bien passé.
Okay, what next now?